Hello les petits chats, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur un petit épisode de Roblox. C'est un jeu solo où vous pouvez créer votre parc de dinosaures. Et j'ai trouvé ça tellement mignon que je me suis dit qu'il fallait que je vous fasse découvrir ça tout de suite. Là voilà, ça se présente comme ça. Je suis dans mon petit parc, donc là c'est la night, hein, comme vous pouvez le voir. Il y a d'autres gens qui sont sur les îles d'à côté, je peux aller leur rendre visite si je veux parce que j'ai moyen de me re-téléporter là avec ça. Ah non, ça c'est ma canne à pêche. Temps pour moi. J'ai moyen de me téléporter ici avec mon petit téléportation, voilà, base, qui me permet de revenir directement ici, ce qui est pratique. Je peux aller donc pêcher et je peux placer mes dinosaures qui me rapportent des sous, donc lui il est cool, merci, il vient de me rapporter encore de la thune. Et puis bah voilà, créer un petit parc sympa que les gens vont pouvoir visiter. Donc là j'ai un peu de sous, je pense que je vais placer un deuxième dinosaure qui va aussi me rapporter. Et puis de quoi se balader parce que pour l'instant pas vraiment y entrer, pas vraiment se balader. Alors, chap, dino. Donc ça c'est le petit nouveau. Voilà, alors toi où est-ce que je vais te mettre? Ok, alors lui c'est un aquatique, très bien très bien. On va le mettre pas très très loin, hein. Je sais pas trop où le mettre là. Je le mets sur... je crois que je peux que le mettre sur les cases là qui sont là. Je suis un peu... J'ai un peu un petit parc en fait. Peut-être pas le mettre dans la forêt non plus. Je sais pas trop où le mettre. Bah écoute mon coco, bah si je vais te mettre là. Écoute, que tu veux que je te dise. Je vais te tourner par contre. Ça me semble pas mal. Il est beau. Salut beau gosse. Donc je peux le bouger quand j'ai envie. C'est un plésiosaurus. Voilà. Upgrade family. Oh mais je veux faire ça moi avec toi. Je veux upgrade family. Il rapporte beaucoup d'argent lui hein, c'est fou. Upgrade family. Oh trop mignon. D'accord, donc dans ces cas-là ils sont deux. Bon par contre l'enclos c'est pas agrandi hein, donc ils sont un peu serrés les pauvres. Ça va, on a encore des sous. Et après on va pouvoir mettre tout simplement des décorations. Je peux même mettre encore un autre dinosaure. Ah non mais alors là, si vous me proposez de mettre plein de dinos, moi j'accepte tout de suite. Tout de suite, direct. J'ai envie de voir un petit peu tous les dinosaures que vous avez à proposer. Donc c'est vrai que je l'ai ouvert hier ou avant-hier, j'ai laissé toute une nuit. Et du coup quand je suis arrivée, j'avais pas mal d'argent. Et c'est vrai que c'est plutôt une bonne stratégie. Plutôt que de vouloir tout faire et finalement pas avoir les sous quoi. Alors je vais les bouger, je vais les mettre à côté d'eux. Je vais les tourner aussi. Et puis comme ça je vais commencer à mettre les petites décos. Donc là on a un petit herbivore. Là on a les petits T-Rex, les petits T-Rex sont vraiment mignons. Et j'ai l'impression qu'en fait à chaque fois que je débloque un dinosaure je peux en débloquer un autre. Donc ça continue, je vais en mettre 10 000 quoi. Alors celui-là c'est un dino qui vole, du coup il a sa petite cage fermée. Un ptérodactyle. On irait bien faire une petite balade avec ce ptérodactyle. Je crois qu'il est de face là. Non il est de dos, il m'a montré ses fesses. Montre-moi ta tête mon petit. Non encore une fois. Même pas, il me montre ses fesses. Eh bah écoute montre-moi tes fesses que tu veux que je te dise. Ok, il est de face, super. En plus, ils me donnent tous de l'argent, là. Alors, bah oui, on peut encore débloquer un dino, je me doute. Mais on va faire autre, on va commencer quand même à mettre des petits décos et à faire l'accueil. Alors ça, ça coûte très très cher. Je pense que c'est pour ouvrir le parc, pour l'accueil du parc. Mais je pensais pas que ça coûterait aussi cher. On a peut-être une porte qui coûte moins cher, non? C'est ultra cher. On va mourir. Alors là, là, on a tout ça, mais je pense qu'il m'en faudrait plusieurs quand même. Ouais, on va en mettre, je sais pas moi, allez on en met 30. C'est bien, on peut choisir combien on en veut. Alors imaginons l'entrée du parc se fait ici. Est-ce que je peux en mettre plusieurs d'affilée? Parce que si à chaque fois je dois les rechercher, on n'a pas terminé hein. Ça va être un petit peu long cette histoire. Moi j'aurais bien aimé qu'on puisse en poser plein d'affilée et puis pouvoir faire mon petit chemin. Je suis en train de me faire un petit chemin en sable là. Est-ce que c'est une bonne idée le chemin en sable? Je sais pas. Qu'est-ce qu'on a comme autre petite déco? Alors les petits buissons ça c'est sympa, je vais en mettre 5. Qu'est-ce que je peux mettre d'autre? Des petites fleurs c'est cool aussi, je vais en mettre une dizaine. Voilà, ça c'est toujours sympa. Mettre des petites fleurs sur le passage. Ce serait bien qu'il fasse jour là, ça est en train de se lever doucement mais on a été dans la nuit quand même pendant un bon moment là. Et en fait j'ai un parc qui est totalement minuscule, faudrait peut-être que j'achète des parcelles. Ah ouais mais c'est cher les parcelles, 10 000 à chaque fois. Wouh, ça fait un peu mal. Je sais pas trop ce que je peux acheter comme parcelle. Je pense que je vais déjà bien aménager cette partie là. Et ensuite j'achèterai des parcelles. Parce que 10 000 à chaque fois la parcelle, on va pas se mentir, c'est pas donné. Je vais mettre peut-être un pote ici, dinosaure. Bon pour l'instant ça fait un peu carré hein. C'est pas ouf. Allez viens là toi. Je sais pas s'ils peuvent faire des bébés. Je verrais bien des petits bébés dinosaures. On va te mettre de face. Qu'on puisse observer comment tu es mignon. Voilà. Alors à qui est-ce qu'on n'a pas mis de pote? Est-ce que vous deux, il y a moyen d'agrandir la famille et de faire un bébé? Oh oui!
On peut mettre un bébé. Mon dieu que c'est cute. Moi j'agrandis les familles à chaque fois. Pour moi les dinosaures devraient pas être seuls. Ils devraient être avec leurs potes. Allez toi aussi t'as le droit d'avoir un pote. Tout le monde a le droit d'avoir un pote. Oh ce bébé T-Rex, mon dieu, beaucoup trop cute quoi. Bon par contre là, j'ai beaucoup de dinos, mais j'ai pas de passage. C'est un peu moche. Alors on va se concentrer un peu là. Oh, il est trop beau celui-là. 7000 quand même. Hein. J'ai clairement plus les sous là. J'ai trop dépensé. J'ai voulu tous les mettre bien et du coup moi je suis plus bien du tout. Alors là il y a des petites lampes, ok. Donc là c'est de plus en plus cher. Moi ce que j'aurais aimé c'est ça, c'est quoi? Une grande fontaine. J'aurais aimé une entrée en fait. J'aurais aimé faire péter la grosse entrée là, mais on n'a plus les sous. Ça c'est quoi comme sol? Je vais regarder. Est-ce que c'est beau ou pas? Non c'est pas beau. On va revendre ce truc, c'est pas beau du tout. Mais après, un passage en sable, ça fait bizarre quand même. On va revendre ça. Je vais mettre autre chose. Qu'est-ce que je pourrais mettre qui pourrait être joli? Peut-être du bois. Hein. Est-ce que c'est beau le bois? Ça ressemble à du bois. On dirait une moquette. On dirait une petite moquette posée là. 100$ quand même, c'est pas donné. Mais bon, après, voilà, on est sur de la qualité. Hein. On a plus de sous. C'est parti! Moi j'aimerais en poser plein. Ah je voudrais tellement en poser plein pour faire un chemin. Je crois qu'en fait dans ce jeu là tu peux pas faire comme dans l'autre jeu où tu peux vraiment poser tes petits packs etc. C'est vraiment tu vas y prendre du temps et tu vas ouvrir 10 fois ton inventaire. Let's go. C'est pas grave, on a le temps. Alors voilà déjà ça fait un premier petit chemin. Idéalement j'aimerais faire des chemins comme ça un peu partout. Mais c'est vraiment long à faire, je m'y attendais pas. Je pense que je vais aller pêcher le temps qu'on gagne un peu d'argent. Et après, je vais mettre quelques petites décos pour voir comment on peut organiser ça. À la pêche! Ok, je pêche de côté. C'est un nouveau concept. Il y a un poisson. Il y a un truc là. Non, j'ai l'impression que c'est juste le reflet en fait. Faut attendre que ça bouge. J'ai jamais pêché encore. Ah, ça y est, ça. C'était le moment. Oh! 2 golden eggs. Alors, je ne sais pas à quoi servent ces petits œufs là encore. Il y a peut-être des choses particulières qu'on peut acheter avec. En tout cas, je suis bien contente. Allez, on range la petite canne à pêche. On va mettre quelques petits buissons. Voilà, quand on arrive, on a quelques petits buissons. Bon, c'est pas ouf, mais ça fait un petit truc. Je vais terminer mon passage. Je vais récupérer l'argent des dinos. Je sais pas s'il y a des gens qui vont venir visiter après. Je sais pas trop comment ça se passe. Pour l'instant, on est vraiment dans de l'aménagement pur. On a gagné 26 000. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte par rapport à ce qu'on avait tout à l'heure. Je vais pouvoir la prendre, mon énorme porte, je pense, là. Allez, je vous laisse quelques instants et je vous montre une fois aménagé. Et voilà, j'ai un petit peu avancé le parc pour vous montrer à quoi ça peut ressembler. J'ai même trouvé une super astuce, c'est juste que j'avais pas ouvert mes yeux, hein, mais voilà. En gros, quand je suis dans un inventaire et que j'ai envie de poser la même chose, c'est tout simple, il suffit que je reste appuyée sur Shift, c'était écrit en gros, merci Evo. Et en gros, quand je reste appuyée, voilà, je peux en poser autant que je veux, et c'est quand même 10 fois plus simple que de faire ce que j'ai fait et de galérer à les poser un par un. Donc là, je me suis fait mon grand passage avec des petits bancs pour pouvoir regarder les dinosaures. J'ai débloqué les petits chouchous là-bas, j'ai débloqué celui qui était là-bas aussi, voilà. Et puis j'avance gentiment, j'ai débloqué une zone quand même à 10 000, mais ça va relativement vite parce qu'à partir du moment où vous avez rempli au moins un ou deux box avec maman, papa dino, bébé dino, ça rapporte énormément d'argent et très rapidement. Vous voyez, là, j'ai pas fait grand chose. Hop, je suis déjà à 30 000. Donc, c'est un petit jeu sympa. C'est un petit jeu cool pour ceux qui aiment les dinosaures. Et si vous avez envie d'être tranquille, c'est-à-dire que c'est un jeu vraiment sans se prendre la tête, vous pouvez revenir. Puisque moi, vraiment, j'ai juste posé mes dinosaures. Je suis revenue 2 jours après. Et il y avait de l'argent, le jeu avait pas bougé et ça m'attendait. Donc, ça, c'est super cool. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'on peut pas jouer à plusieurs. Vous pouvez par contre aller voir les parcs de vos potes. C'est-à-dire que là, je sais pas si j'ai quelqu'un en face. Là, il y a Essia qui est en face de moi. Et normalement, si je dis pas de bêtises, je crois que je vois ces dinosaures en plus là-bas. Il faut que j'aille nager. Voilà. Je peux aller lui rendre une petite visite et vous pouvez autoriser vos amis à venir vous rendre visite sur votre parc. Donc, ils peuvent voir vos dinos, ils peuvent voir votre parc, ils peuvent éventuellement vous donner des petites idées de déco. Mais malheureusement, ils peuvent pas jouer avec vous comme Park Tycoon. Et moi, c'est ce que j'aurais bien aimé faire. J'aurais bien aimé qu'on se pose ensemble avec Prodige et qu'on fasse un énorme parc de dinosaures. Mais malheureusement, c'est pas possible. On aura chacun notre parc. Oh, bah, je crois qu'elle est en train de tout... Ah bah, elle débute. Elle débute. Elle a placé pour l'instant les deux premiers dinos. Elle a pas encore fait de chemin ni décoré. Donc, je suis plus avancée. Et elle est l'école, carrément. Bon, en même temps, c'est un gain de place, hein, mais... Moi, je collerais pas des dinosaures qui se connaissent pas comme ça ensemble et qui viennent pas du même milieu. Bon, voilà, je lui fais un petit coucou. Et si je veux rentrer, il me suffit de faire
Allez, salut, je repars chez moi. Et j'arrive directement à ma base, donc ça c'est cool. Vous voyez, j'ai déjà plein de sous qui m'attendent. Alors, je vous laisse dire dans les commentaires quels sont vos petits dinosaures préférés, lesquels vous trouvez les plus mignons. Moi, je vous avoue que les tout premiers, je les trouve vraiment à croquer, hein, les petits T-Rex. On commence par les T-Rex, c'est beau quand même. Upgrade family. Oh, un deuxième bébé. Non mais attendez, ils vont être combien là-dedans? Je crois qu'on a atteint le max là. On va pas nous faire des triplés non plus, déjà on a des jumeaux. Énorme. Peut-être qu'après, si t'as grandi encore, tu te retrouves avec un parc, t'as compris. Enfin, que c'est très très grand. Enfin voilà. Si ça t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu, à t'abonner à ma chaîne si c'est pas fait. Et puis nous, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo.